Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo là est spéciale du fait que je vais ouvrir avec vous mon premier swap. Donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir ces colis qui sont à ma possession depuis maintenant 2 jours. Et donc je suis juste impatiente et reconnaissante à ma copinote Maureen. Je suis vraiment juste heureuse d'avoir pu organiser un événement comme celui-ci avec elle. Et que j'espère vraiment que mes paquets vont lui plaire de tout cœur. Donc on s'était fixé un objectif de 5 paquets. Elle a fait des folies. J'ai voilà, j'ai les paquets juste à côté et je suis juste impatiente mais de folie parce que j'ai vu qu'il y avait plus de 5 paquets alors que moi j'ai eu quelques soucis et donc j'ai dû juste me contenter à 5 paquets. Donc je croise les doigts pour que mes paquets lui plaisent. Premièrement, j'ai un petit mot de sa part que je lirai plus tard. Et aussi, il y a un menu parce que voilà, on a pensé à faire un menu toutes les deux. Et donc, je vais ouvrir ce menu avec vous et piocher les paquets au fur et à mesure. Donc, le premier paquet, donc elle m'a marqué dans le menu le meilleur compagnon du lecteur, un indispensable. Alors, le compagnon du lecteur... moi je songerais pour des marque-pages. On va voir ça tout de suite avec le premier paquet. Donc voilà le premier paquet qui est dans une enveloppe où elle m'a marqué numéro 1. Je l'ouvre tout de suite et on découvre ensemble ce qu'elle m'a prévu. Alors du paquet sort plein de marque-pages. Elle a fait des folies en marque-pages. Donc oh là là, regardez-moi la beauté de ces marque-pages, oh mon dieu, ils sont magnifiques. J'ai l'impression qu'ils sont faits main. Je sais pas si c'est elle qui les a fait, je vais me renseigner. Ils sont magnifiques, elle a fait vraiment des folies. Et j'ai 2 petits paquets comme ça. C'est des marque-pages magnétiques, donc on en a un. Il y a un sablier dessus. J'ai jamais eu de marque-page magnétique, donc ce sera mes premières marque-pages magnétiques. Oh mon dieu! C'est le retourneur de temps dans Harry Potter. Vous savez le retourneur de temps que Hermione a? Bah c'est ça. Oh mon dieu, je suis juste... Oh là là, c'est... Oh. J'ai pas de mots. J'ai plus de mots. Oh là là là. Oh mon dieu! C'est la choco-grenouille. Vous savez le... la boîte de choco-grenouille là. Oh mon dieu, regardez, en plus il y a une inscription derrière. Oh là là. Donc on va passer au second paquet. Un coup de cœur pour moi que je tenais à te partager. Je pense que c'est un livre vu la forme. Regardez en plus la beauté des paquets qu'elle a fait quoi. Mais c'est juste de la bombe quoi. Donc vu la forme, je dirais que c'est un livre... Je vais être cruelle, mais je vais arracher le beau papier. C'est un livre vert. Elle adore. Elle doit savoir que j'adore le vert, donc. Et donc, il s'agit de Nos chemins de travers de Georgia Caldera. J'ai entendu déjà parler de ce bouquin dans son Instagram. Elle l'avait fait en story ou publié sur son Insta, je sais plus. Donc c'est aux éditions J'ai lu. J'ai hâte de découvrir son coup de cœur, vu que c'est un coup de cœur pour elle. Et j'espère que ce sera un pour moi aussi. Donc merci pour ce joli livre, j'adore. Donc je suis aux anges. 3. De quoi t'accompagner dans tes lectures pour le blog, ça aide beaucoup. Je vois pas. Ce que ça peut être, je sais pas du tout. Sur le blog, oui, pour mes lectures, mais je vois pas. C'est un paquet comme ceci, assez souple. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Reading log. Alors, c'est la première fois que je vois ça. J'en avais jamais entendu parler. Ah oui, c'est super joli. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des cases
pour voilà, les lectures qu'on a eues autres. Donc ça va vraiment m'aider parce que des fois voilà, quand j'ai envie de faire une vidéo ou autre, bah j'oublie de ce que j'avais parlé. Donc c'est vraiment pour mes suivis lectures un idéal. Donc je la remercie énormément. En plus il est trop joli quoi, il y a une bibliothèque quoi. Moi et bibliothèque, ça fait la paire quoi. Oh, je suis trop contente. Merci vraiment, hein, ça me touche quoi. On est au quatrième paquet, un livre que l'on voit partout et que j'ai hâte de découvrir moi aussi. Donc le paquet se présente comme ceci. Il est gros hein. Alors qu'est-ce qu'on voit partout? Je sais pas ce qu'on voit partout. Je pourrais pas dire. Ah ouais! Il s'agit de Shade of Magic de... comment elle s'appelle? V.E. Schwab aux éditions Lumen. Je suis mais genre... Oh mon dieu! Oh non! On le voit partout, il me donnait tellement envie! Oh mon dieu, je suis trop contente là! Oh là là, elle a fait des folies. Oh mon dieu, en plus il est magnifique. Oh merci quoi Maureen, merci. On est au numéro 5, donc je pense que l'écrivain qui est en toi saura l'utiliser, le fameux colis qui a eu du mal à arriver. Alors oui, elle a eu des soucis avec un de ses colis qui ne décidait pas de venir, et moi aussi j'ai eu un problème avec un de mes colis, du fait que bah... je sais pas s'il est venu ou si on me l'a chapardé ou autre, mais je l'ai jamais reçu non plus. Donc elle a eu de la chance, mais pas moi. Donc c'est un petit paquet comme ça. L'écrivain qui est en moi, qu'est-ce que l'écrivain qui est en moi peut bien utiliser? Peut-être des carnets, je sais pas. Un carnet, j'en utilise énormément, j'ai toute une pile de carnets là. Je sais pas. Oh, elle est folle. Oh, regardez-moi ça. Oh mon dieu, le carnet, mais... Oh, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Mais... attends, il y a une plume et tout, mais c'est trop magnifique quoi. Oh mon dieu, j'arrive pas à l'ouvrir. Oh mon dieu, les détails qui tuent. Oh purée, regardez-moi ça. Il y a une clé. Il y a... oh mon dieu, regardez, regardez. C'est en semi-cuir, je pense. Oh, il est magnifique quoi. En plus, c'est du vieux papier. Ah oh non, elle a fait des folies. En plus, avec des plumes et des oiseaux, j'adore. Oh mon dieu. Et en plus, il y a une petite citation. C'est trop mignon. Oh mon dieu. Vous allez m'entendre dire, oh mon dieu, toute la vidéo. Hein. On est au 6. Et oui, 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 pour une belle séance de lecture. Ce paquet sent. Ce paquet sent. Ah non, elle est folle des bougies Yankee Candle. Oh, je suis sûre que c'est ça. Oh, ça doit être des tartelettes. Oh mon dieu. Oh, oh là là, elle a fait des folies. Donc il s'agit de la Yankee Candle Aleo Water. Celui-ci. Une autre qui s'appelle... au chaud dans la neige. C'est mieux la traduction en français. Celle-ci. Donc le dernier... c'est un livre encore? Elle l'aurait craqué et elle m'aurait pris un livre. Ça a le... ouais, ça a le... la consistance d'un livre. Hein. Mais elle est folle. Oh là 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 là. Mon dieu. C'est un livre rouge. Un livre... le théorème des Catherine par John Green, publié aux éditions Nathan. Donc c'est l'auteur de Nos étoiles contraires. J'ai jamais lu de livre de John Green. J'ai vu le film qu'ils avaient fait des Nos étoiles contraires, mais j'ai pas du tout lu de livre de lui. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça peut donner. Mais elle est folle quoi. Oh mon dieu. Merci mais infiniment Maureen. Vraiment tu as fait des folies. Je... oh là là, à côté mes paquets sont rien du tout. Pour un premier swap je suis aux anges. Mais oh mon dieu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo très bientôt. Jusqu'alors prenez grand soin à vous-même.